les mains pleines du sang de son ami. Assis sur une banquette à l'intérieur d'un McDonald's et entouré d'une vingtaine de bandits médiévaux hilars. Était-ce vraiment une posture dans laquelle se serait retrouvé Yanis s'il avait été en contrôle de la situation ? Après avoir rejoint les hommes en noir dès l'attaque de la prison de la santé, Yanis avait fait partie des irréductibles ayant attaqué le commissariat du 15e pour libérer l'unique prisonnier qui y résidait. Pensant au début avoir affaire à un paysan opprimé, emprisonné injustement par la police fasciste, Yanis avait vite déchanté lorsque celui-ci avait fini par les mener et rejoindre sa bande, caché dans un McDo aux abords de Paris. Le gentilhomme médiéval s'était alors révélé être le chef d'une troupe de bandits, passant leur journée à tuer, piller et violer tout ce qui leur tombait sous la main. Yanis avait vu en quelques jours le nombre des hommes en noir diminuer, la plupart préférant se fondre incognito parmi les Parisiens comme après une manifestation normale, d'autres se faisant abattre par les forces de l'ordre. Leur signalement circulait maintenant dans tout Paris, et les policiers, enragés par la mort de leurs collègues et par l'attaque du commissariat, avaient de toute évidence juré d'abattre le bandit médiéval ainsi que tous les hommes en noir qu'ils pourraient trouver. Du groupe initial, supposé être éphémère, Yanis le savait bien, il ne restait plus que lui et son meilleur ami, se vidant de son sang dans ses bras, victime d'un tir en plein ventre. Horrifié par ses cris d'agonie, Yanis l'était d'autant plus par les moqueries des bandits médiévaux qui l'entouraient. Ceux-ci semblaient trouver le spectacle fort distrayant, et riaient aux éclats à chaque gémissement du malheureux blessé. Ces hommes étaient des fous, des malades, des criminels de la pire espèce. Sur le comptoir, assis à côté d'une caisse enregistreuse, l'écorcheur, arborant un grand sourire, triturait une des armes à feu récupérées sur les corps des policiers qu'il avait tués, tout en fixant intensément Yanis d'un regard plein de cruauté. Tout ceci était allé bien trop loin. Yanis, lui, voulait avant tout contester l'ordre établi, pas se retrouver embarqué malgré lui dans une bande de tueurs médiévaux psychopathes. Son ami, après avoir appelé sa mère durant de longues minutes, laissa échapper un long soupir et finit par mourir dans ses bras. « C'est fini, tout est fini », se dit Yanis. Il en avait marre, il ne voulait plus se battre. Il voulait juste être tranquille, rentrer chez lui, boire un thé, se réveiller de ce cauchemar. Rassemblant tout son courage, Yanis se redressa et fonça d'un coup vers la porte du McDo, afin de mettre le plus de distance possible entre lui et les fous furieux qui l'entouraient. Toujours assis sur le comptoir, l'écorcheur, surpris par l'audace de Yanis, adressa un signe de tête à son second, un grand homme maigre et sec, surnommé le Noueux par ses hommes. Celui-ci, en trois impressionnantes enjambées, arriva à hauteur du fuyard et lui asséna un violent coup dans les gencives, qui le fit brutalement tomber au sol. L'écorcheur se pencha en ricanant sur le petit homme larmoyant et tordu de douleur mis à terre par son second. Tenant un pistolet du bout de ses doigts, l'écorcheur murmura à Yanis une phrase qu'il ne comprit pas. « Ne t'inquiète pas, jeune pleutre, je ne te ferai pas trop souffrir avant de te tuer, mais tu ne mourras pas avant de m'apprendre comment se servir de ce canon portatif. Avec cet outil, le seigneur de Créteil verra bien de quel bois est fait l'écorcheur. » Mais comment diable une foule pareille était-elle capable de prendre une quelconque décision, se disait le bailli Renaud des Mazis. Assis sur un petit strapontin, trois traducteurs à ses côtés, l'officier royal, curieux et étonné, assistait à la séance exceptionnelle de l'Assemblée nationale convoquée par le président. Pour un fervent défenseur de la monarchie absolue, ce mode de gouvernance était pour le moins déroutant. Laisser la populace décider du partage des moissons, de la réfection des routes, des ponts ou de l'embauche d'un curé pour le village, c'était du bon sens, car l'aristocratie n'avait pas le temps de s'occuper de ses basses besognes et devait gérer des choses autrement plus importantes comme la guerre et la justice. Mais laisser la populace, à travers l'élection de notables, décider de la conduite du royaume tout entier, c'était selon le bailli de la pure folie. Renaud des Mazis ne comprenait pas encore toutes les subtilités de ce système démocratique, mais pour lui, c'était tout simplement appliqué à l'échelle d'un royaume, ce qui à son époque était appliqué à l'échelle d'un simple village. On ne pouvait pas diriger un royaume en ayant affaire continuellement à cette assemblée nationale, qui évoquait au bailli des états généraux permanents. Depuis des jours, Renaud des Mazis était à la fois furieux, intrigué et ébahi par ce qui lui était donné à voir. Le fait que le Paris moderne ait complètement supprimé la monarchie de droit divin l'avait au tout début grandement courroucé, mais le roi lui avait ordonné d'observer, et d'observer seulement, de récolter le plus d'informations, et si possible, de déceler d'éventuelles faiblesses, pouvant être exploitées contre les Parisiens modernes. Ainsi, Renaud des Mazis ne laissait rien paraître de son écœurement, et se contentait d'enregistrer le plus d'informations possible, en posant de nombreuses questions aux traducteurs qui l'accompagnaient. En contrebas, le président Jean-Marc Lemayeux écoutait les discours préparés par les représentants de l'opposition politique. Enfin, ce qui restait. Des 577 membres de l'Assemblée nationale, seule une petite centaine s'était retrouvée dans Paris au moment de la vibration, et siégeait maintenant en face de lui, lors de cette séance exceptionnelle. Au moins, la salle était déjà plus remplie qu'un lundi matin en temps normal, rigola intérieurement le président.
Un par un, les députés de la majorité comme de l'opposition renouvelaient pour le moment leur confiance en l'exécutif quant à la gestion de la crise. L'attaque de l'armée du roi avait grandement marqué les esprits et avait contribué à ce que les responsables politiques survivants s'unissent autour du président. Sous la promesse de mettre en place un gouvernement d'union nationale une fois la situation stabilisée, Jean-Marc Le Mailleux se vit confirmer l'octroi des pleins pouvoirs, suite aux circonstances exceptionnelles que vivait la ville. Certains appelaient même de leur vœu l'application de l'article 36 de la Constitution, soit la proclamation de l'état de siège, afin d'agrandir encore plus la marge de manœuvre du président. Jamais, durant l'histoire de la Ve République, un dirigeant n'avait bénéficié d'un tel soutien, ni d'un tel pouvoir, dépassant les clivages partisans, offert par des élus tremblants de peur face à une réalité inconnue et mystérieuse. Pour l'instant, la situation à Paris s'est améliorée, se dit le président. Mais cette confiance aveugle qu'on m'accorde s'effondrera au moindre signe de faiblesse. Ces pleins pouvoirs, je me dois d'en user pleinement si je ne veux pas finir la tête sur une pique. L'ordre devait être maintenu, à tout prix. Certaines libertés devront être sacrifiées, les troubles faits réduits au silence, mais tant que je serai à sa tête, Paris ne se laissera pas couler sans rien faire. Après les discours de soutien des élus au président, un nombre important de questions devait être discuté par l'Assemblée, notamment la cohabitation nouvelle avec les migrants médiévaux s'étant installés aux abords de Paris, le manque de nourriture, de plus en plus pressant, la recrudescence de défections parmi les fonctionnaires et le retour de la prépondérance de l'Église dans les relations diplomatiques, selon certains obligatoires pour ne pas fâcher les médiévaux, selon d'autres une grave entorse à la laïcité et une menace pour la République. Jean-Marc Le Mailleux s'était éclipsé des débats, et de retour dans son bureau, s'affala en soupirant dans son fauteuil, se rendant compte qu'il n'avait presque pas dormi depuis 2 jours. « Bon, se dit-il, au moins le contact avec les médiévaux s'est passé plus ou moins bien. » Ce bailli, même s'il ne semblait pas comprendre grand-chose, n'avait pas trop mal réagi lorsque les historiens avaient évoqué avec lui l'état de la monarchie et de la religion au XXIe siècle. Savourant quelques minutes de calme, le président fut interrompu une nouvelle fois, cette fois-ci par un épidémiologiste souhaitant s'entretenir avec lui de toute urgence. Ah oui, c'est vrai qu'il devait absolument le voir. Depuis 10 jours, le président n'avait pas eu un instant pour lui, et même des sujets extrêmement importants comme celui-ci avaient dû passer au second plan. Alors qu'un scientifique en petite chemise fut introduit dans son bureau, le président commença à se demander si, en effet, il avait bien pris la mesure de la situation sanitaire de Paris. Pendant les 2 heures qui s'ensuivirent, Jean-Marc Le Mailleux, pâlissant de plus en plus au cours de l'entretien, put être éduqué sur les joyeux scénarios attendant la ville. Retour de la variole, de la peste bubonique et de la tuberculose, diffusion auprès des médiévaux de différentes souches de grippe, de choléra ou même de sida en cas de contact plus rapproché, les possibilités étaient nombreuses, et les morts potentielles encore plus. Informé par la suite sur l'état de la médecine médiévale et les effets destructeurs des grandes épidémies, le président se vit dire par le scientifique, sur un ton des plus blasés, que si rien n'était fait pour prévenir la propagation des épidémies et changer les pratiques médicales du Moyen-Âge, alors Paris, la France, puis l'Europe tout entière, allaient voir leur population doucement disparaître du fait d'un cocktail de nécrose, de diarrhée et d'éruptions cutanées, entraînant par la suite la disparition des structures sociétales, aboutissant en quelques dizaines d'années seulement à l'anarchie la plus complète. Sonné par cet exposé, toujours aussi seul et accablé, le président ne put s'empêcher de laisser s'écouler, le long de sa joue, une larme pudique. Ce paysan était peut-être le seul à lui manifester la moindre sympathie, mais si c'était ça son idée de la discrétion, Marc, le médecin généraliste de la Réunion, était certain de finir sur un bûcher avant la fin de la semaine. Après avoir pêché plusieurs dizaines de kilos de détritus dans la Seine, Pierrick le paysan, l'hôte de Marc, avait décidé de les exposer fièrement aux autres habitants du village, espérant sûrement leur vendre à prix fort. Disposant son étal sur la grand place, il avait avec force harangue vanté toute la matinée les mérites des objets magiques qu'il avait récupérés, mais également, au grand désespoir de Marc, s'était mis en tête de faire la publicité des talents de médecin de son invité, qui eux par contre avaient trouvé preneur. Depuis, à l'intérieur de la chaumière de Pierrick, Marc avait vu défiler plusieurs habitants du village, méfiants mais curieux, qui venaient le consulter pour des problèmes d'infection ou de maux de ventre. Un des enfants de Pierrick se tenait fièrement à ses côtés, tentant de traduire ses instructions aux villageois, mais ce gosse ne comprenait qu'un dixième des phrases de Marc, et devait sûrement inventer le reste, augmentant les risques de complications médicales et s'ajoutant à la longue liste de problèmes du médecin. Par chance, l'atout de Pierrick n'avait pas été dû à la grippe, comme il avait pu le penser au départ, mais le paysan était de forte constitution, et pouvait très bien être un porteur sain. Marc était presque sûr qu'il avait amené une souche virale avec lui. Et même si celle-ci semblait épargner les plus jeunes, le curé du village, âgé de 65 ans, était depuis 2 jours à l'article de la mort, lui aussi sujet à de violentes quintes de toux. L'ecclésiastique avait été, dès le début, un des plus fervents opposants à ce que Marc reste dans le village,
Par chance, sa maladie soudaine avait été interprétée par les villageois comme un signe qu'il ne fallait pas trop s'en prendre aux Réunionnais, que celui-ci, en plus de son inquiétante peau noire, disposait peut-être de pouvoirs occultes et mystérieux. Désormais, le médecin inspirait le respect, voire la peur, à certains villageois. Marc espérait qu'on ne le prendrait pas pour un sorcier, car il croyait se souvenir que le sort leur étant réservé au Moyen-Âge n'était pas très enviable. De toute façon, grippe ou pas, il fallait qu'il décampe. Pour le moment, il n'avait pas réussi à déjouer la surveillance de ses hôtes. Mais à la première occasion, il retournait à Paris. Marc était décidé, d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il y arrive. De retour de la Grand Place, à bord de sa grande charrette remplie d'objets magiques, Pierrick le paysan, déçu de n'avoir rien vendu de la journée, porte à ses lèvres une bouteille en plastique, remplie d'une piquette coupée à l'eau. Des pouilleux, des ignorants. Voilà que Pierrick se mettait à maudire les autres villageois, qui lui avaient signalé, non sans raison, qu'il suffisait de passer 10 minutes dans l'eau du fleuve pour récupérer gratuitement des objets magiques. Attristé par cet échec, mais pas abattu, le paysan faisait tourner ses méninges à toute vitesse, pour trouver une autre manière de profiter de la situation. Les objets magiques et Marc étaient des dons du ciel, mais il était vrai qu'après l'apparition de la grande ville, les gens et objets étranges commençaient à être monnaie courante dans la région. Mais pour pallier à ce trop-plein d'objets magiques dans le village, ce qui rendait impossible leur vente à cause de leur abondance, Pierrick se devait d'amener ses marchandises dans des endroits plus éloignés, où l'exotisme et la rareté de ses biens attireraient l'œil. Oui, voilà, c'était logique, c'était ce qu'il fallait faire, amener les objets magiques où il n'y en avait pas. Offre et demande, c'était les maîtres mots. De cette façon, il pourrait les vendre au prix fort, et de surcroît à des gens bien plus fortunés que les pauvres villageois de Leménil-le-Roi. Fier de son idée, le paysan le fut encore plus lorsqu'il se rappela de l'existence de son cousin Jeannot. Habitant à Orléans, ce cousin éloigné avait fait fortune dans le textile. Et même si les deux hommes étaient en très mauvais termes, Pierrick savait que le cousin Jeannot ne manquerait pas l'opportunité exceptionnelle qu'il lui présenterait. C'était décidé. Après avoir préparé son expédition et envoyé un messager au cousin Jeannot pour le prévenir de sa venue, Pierrick se mettra en route vers Orléans, en embarquant bien sûr avec lui son nouveau médecin personnel et la plus grande partie de ses objets magiques. Parti du nord de Paris, après une chevauchée de 2 jours, le roi avait trouvé les grands du royaume en plein conciliabule avec sa femme, Jeanne, au sein de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne. À son arrivée, en dehors de l'enceinte, les gardes de la vigie, incrédules, avaient fini par le laisser entrer en poussant de grands cris de joie, attirant l'attention de tous ceux présents sur place. Un par un, les nobles du royaume, extrêmement surpris par ce retour si rapide, laissaient exploser leur joie, et allaient même pour certains jusqu'à baiser les pieds du roi dans une manifestation d'allégresse ostentatoire, comme pour se faire pardonner d'avoir douté du sort de leur souverain. Charles d'Alençon, le frère de Philippe VI, se tenait sur le côté, un sourire crispé aux lèvres, tandis que Jeanne de Bourgogne, la femme du roi, se fendit d'une douce révérence auprès de son mari, avant de lui signifier à quel point elle était heureuse de le voir revenu en bonne santé. Un grand conseil, réservé aux plus hauts dignitaires du royaume, fut immédiatement convoqué par Philippe, qui ne voulait pas perdre de temps. L'ambassade des Parisiens modernes les suivait de peu, escortée par plusieurs dizaines de troupiers, les ayant rejoints lors de leur voyage. Avant l'arrivée de l'ambassadeur de Paris, le roi voulait absolument exposer la situation à ses fidèles, afin d'éviter la panique. Ses fidèles, pensait-il encore, mais un bref entretien préalable avec sa femme lui avait peint un portrait bien plus sombre des personnes qu'il pensait proches de lui. Robert d'Artois, son beau-frère, n'avait pas attendu 2 jours pour renouveler ses prétentions sur le duché d'Artois, son obsession. Pierre Roger, l'évêque d'Arras et représentant du pape à la cour, avait également cherché à renforcer les prérogatives du clergé. Jeanne ne parla pas à son mari des ambitions mal placées qu'elle avait cru déceler chez Charles, son frère, car l'accuser sans preuve directe d'une trahison n'aurait fait qu'aggraver la situation. Messeigneurs, une ambassade provenant de la ville arrive à ma suite. Assénée brutalement, comme un coup de massue, la première phrase que prononça le roi lors du grand conseil plongea la salle dans un silence de mort. Doucement, la stupéfaction puis la peur se répandirent dans l'assemblée, puis des murmures, puis enfin des exclamations stupéfaites. Pierre Roger, l'évêque, est le premier à prendre la parole. « Majesté, je vous en conjure, ne laissez pas venir les représentants du malin, nous devrions attendre l'avis de monsieur le pape. » Les discussions de l'assemblée, déjà bruyantes, redoublèrent d'intensité. Philippe VI, les barons revenus de Paris à ses côtés, se dit qu'il serait peut-être plus dur que prévu de convaincre sa cour. D'accord, cette fenêtre est par balle, mais est-elle également par hache? Assis sur la banquette inconfortable d'un 4x4 tout-terrain de l'armée de terre, Auguste Thibaudeau regardait d'un œil inquiet les soldats armés de fauchards, escortant le convoi du ministre des Affaires étrangères. 2 jours plus tôt, une fois sorti de Paris, le seigneur de Sarcelles avait rejoint le roi et lui avait indiqué la localisation de sa cour, en plus de lui procurer une escorte armée. Après avoir établi un camp pour dormir en pleine campagne, Philippe VI avait ensuite décidé de prendre de l'avance,
afin de rassurer sa cour avant l'arrivée du convoi. Celui-ci avait dû considérablement ralentir le rythme, d'une car les pistes médiévales étaient très difficilement praticables, même pour des tout-terrains, et ensuite car les chevaux des cavaliers médiévaux de l'escorte étaient rendus très nerveux par le bruit des moteurs. Les chevaux n'étaient d'ailleurs pas les seuls qui étaient nerveux. Les soldats médiévaux jetaient de fréquents coups d'œil en direction des voitures et des fusils des militaires, tentant de s'en éloigner à chaque fois que le chemin le permettait. Sur les bords de la route s'amassaient de nombreux paysans curieux. Au départ effrayés par les sons que produisaient les voitures, les agriculteurs trouvèrent vite ceci amusant, riant de bon cœur à chaque rugissement de moteur. Aux côtés d'Auguste, le ministre des Affaires étrangères, envoyé en tant qu'ambassadeur du Paris moderne auprès du roi, semblait parfaitement mal à l'aise et suait abondamment. Passer d'un luxueux appartement parisien à la campagne médiévale représentait sûrement un choc pour cet homme, qui de plus paraissait à Auguste complètement incapable de remplir la tâche qui lui avait été donnée, c'est-à-dire établir des liens durables entre modernes et médiévaux. Par opposition au voyage bucolique qui la précéda, l'arrivée à l'abbaye de Compiègne se fit dans une ambiance lugubre. Les voitures durent être laissées à l'extérieur de l'enceinte. Le ministre, Auguste, ainsi que les historiens qui l'accompagnaient franchirent la porte à pied. Une douzaine de soldats de l'armée ainsi que plusieurs policiers accompagnaient le petit groupe. Ils furent accueillis par une foule nombreuse, des gendarmes, des nobles, les toisant d'un air méfiant et hostile. C'était donc eux qui avaient vaincu la Grande Ost ? C'était ces gens qui faisaient si pâle figure par rapport aux soldats du roi qui l'avaient emprisonné, semblait-il se dire ? Le costume sombre du ministre, ainsi que les treillis des militaires, détonnaient fortement avec les tenues médiévales. La nervosité du groupe monta d'un cran lorsqu'un homme, un chevalier armé, s'avança vers eux pour annoncer l'arrivée du roi. Auguste ouvrit de grands yeux. Robert d'Artois, était-ce vraiment lui ? L'homme, bien que moins beau et moins grand que ses représentations modernes, était pourtant très reconnaissable. Serait-ce si facile ? L'archiviste ne pensait pas le rencontrer si rapidement. Soudain, le roi apparut à l'embrasure de la grande porte, et d'un seul mouvement, la foule entière s'agenouilla devant lui. D'un coup de coude discret, Auguste signala au ministre des Affaires étrangères de s'incliner, comme lui, afin de ne pas ajouter d'insultes diplomatiques à la situation déjà très tendue. Alors qu'ils furent introduits dans la grande salle, au milieu de barons aux visages durs, de seigneurs hautains et de personnages sortis tout droit d'un livre d'histoire, Auguste, passant devant Robert d'Artois, s'inclina légèrement devant lui, ce qui jeta une expression de surprise sur son visage. Dans un vieux français bancal, mais qu'il maîtrisait de mieux en mieux, Auguste put lui dire ô combien il était honoré de rencontrer le célèbre Robert d'Artois, dont il avait tant entendu parler. Le noble ne semblait pas savoir comment réagir face à cette flatterie, d'autant plus qu'elle provenait d'un des habitants de cette étrange ville, qui était d'ailleurs très compréhensible. Auguste, lui, réprimait un sourire malin. « C'était décidé, se dit-il. Cet homme sera mon outil, l'outil qui me mènera à la gloire et à la reconnaissance. Dans les jours qui viennent, je pourrai mettre mon plan à exécution, et enfin recevoir la place que je mérite. » Et voilà, c'était la fin de l'épisode 7 de Paris 1328, plus qu'un épisode avant la fin de la saison 1. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à mettre un j'aime, et on se dit à la prochaine pour le dernier épisode.